Bertrand, bonjour, Bonjour. ravi de se retrouver. En tant que vice-président d'Omnicom Media, bien sûr, le sujet du digital marketing est un vrai sujet d'actualité dans l'entreprise. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez mis en place et ce que vous tirez aujourd'hui comme bénéfice de ces solutions et comment cela vous permet effectivement de prendre des actions pour apporter de la valeur à l'entreprise? Oui, alors absolument, le digital y compris le digital et la performance ont pris une place maintenant très importante dans notre activité, puisque nous, on est acheteur d'espace pour le compte d'annonceurs. Et donc, à ce titre, on achète tous les médias et sur toutes les types de problématiques, qu'il s'agisse de problématiques de visibilité ou de performance. Donc, le digital marketing, on en fait depuis que c'est né, depuis que ça a commencé. On est quasiment systématiquement à la fois en charge des budgets visibilité et des budgets performance de nos annonceurs. Et l'un des gros sujets qu'on avait à résoudre, c'est l'explosion de la donnée sur le marketing et la performance. Quand ça a commencé, il devait y avoir 3-4 leviers à activer, avec des données qui ne discutaient pas les unes avec les autres. On en est aujourd'hui à plus de 17, avec des données qui discutent très très peu avec les autres, sauf à s'être dotées des mêmes outils, et qui peuvent avoir des sources différentes. Donc, la première demande assez naturelle des annonceurs, ça a été de dire arrêtez avec vos rapports de 2000 pages sur une seule campagne qui a duré 2 semaines, parce que j'en fais rien, et construisez-moi des dashboards intelligents qui me servent à la décision. Et du coup, là, on a utilisé des solutions clics sur l'essentiel de nos clients, qui allaient puiser derrière un grand data warehouse qu'on a construit pour Omnicom Media, dans lequel tous les leviers viennent jeter tous les leviers digitaux viennent jeter leurs données, et on attaque cette base de données grâce à Click pour construire des dashboards, soit à la volée, soit préformatés, correspondant exactement aux besoins du client. Et là, c'est là que la phase amusante arrive. Le problème, c'est pas vraiment de construire le dashboard intelligent ni d'automatiser sa production. Souvent, la phase la plus longue, c'est de se mettre d'accord avec le client sur les KPIs qu'on met dedans, parce que tout résumer une activité marketing digital en une dizaine d'indicateurs avec des indicateurs qui en plus interagissent les uns entre les autres selon qu'il s'agisse de visibilité, d'engagement ou de performance, et ben c'est là que souvent que la gageure commence, et c'est là que la vraie discussion intervient, celle qui est intéressante, sachant que la technique, on l'a résolue grâce à Click et de façon extrêmement efficace, ergonomique, finalement assez peu cher pour nos clients, puisque c'est des projets qu'on revend et qui nous permettent de proposer des solutions financièrement jouables pour construire ce type de reporting. Donc ça marche plutôt bien. Et est-ce qu'avec ClickView, ça vous permet aussi d'intégrer des données qui ne sont pas obligatoirement toujours dans le dataware? Ah oui, systématiquement. Ouais. On a dans le dataware tout ce qui est marketing à la performance, donc tout ce qui est levier digitaux. On n'a pas le mobile, par exemple, donc là on va chercher une autre source de données. On n'a pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc là on va chercher une autre source de données. On n'a pas toutes les données offline, donc tout ce qui est GRP télé, GRP radio, nombre de panneaux, affichage, etc. Donc tout ça, on va chercher dans des sources différentes et on le met de façon relativement simple. C'est un projet qui dure de 3 semaines à 2 mois maximum, de construire un dashboard pour un client. Ça dépend du nombre de données et les sources de données. Mais le vrai enjeu du marketing digital, c'est aujourd'hui, en termes de mesures et de gestion de la donnée, c'est qu'il sorte de son ghetto et d'arriver à le mettre en relation entre ce qui se passe sur la visibilité sur les médias offline et ce qui se passe sur le marketing digital pur et dur. Ce qui se passe sur le marketing digital pur et dur, on y arrive très bien. Maintenant, c'est comment ça discute et comment ça interagit avec les autres activités offline. Et aujourd'hui, avec ce que vous avez mis en place, donc ces indicateurs permettent à vous-même et à vos clients de prendre des décisions, prendre des actions en fait sur ce qu'ils constatent. Oui, alors ça permet de tirer le bilan de l'efficacité de ce qu'on vient de faire ensemble. On a mis histoire de se dire qu'on se met une note générale. Une fois qu'on a défini les dashboards, on a défini les notes et la pondération respective des différents dashboards, pour que en haut du dashboard, en haut à droite, il y ait une note qui dise est-ce que cette campagne a été réussie, oui ou non, avec un système de pondération des objectifs qu'on avait fixés à chacun des KPI, parce que balancer des KPI sans cette donnée des objectifs, ça donne pas un bilan de campagne. Donc sur chacun des KPI ce qu'on avait défini, on a défini c'est quoi l'objectif que tu me fixes et comment on considérera que tu as réussi ou que tu as raté, et à la fin tous ces indicateurs
indicateurs visibilité, engagement, performance, s'agrègent et donnent une note à l'activité qu'on a eue. Donc ça sert à la fois de faire un bilan de campagne et ça sert à prendre la décision pour la campagne d'après. Parfait. Merci beaucoup Bertrand pour ce témoignage.